De retour sur ce plateau, Escale sur les nets avec des games pro. Merci beaucoup. Lui, au moins, il s'habille moins cher. Hein, donc, sa chemise coûte 2 euros. Moi, ma blouse, là, c'est 1 euro. Mes cheveux, là, c'est 65. Donc, si on fait la totalité, là, c'est 10 euros. Mais on est propre, n'est-ce pas? Je ne vais pas parler pour Prince, encore moins pour Christian et Mango, parce que si je me mets à calculer, là, je suis sûre on est déjà au-delà des 150 euros. Donc, je préfère mes terres. Mais combien coûtent vos vêtements? Il y en a qui investissent dans leur accoutrement. Bilambe Otikala. Joyeux anniversaire à notre épouse. Joyeux anniversaire à notre épouse, la femme de notre Yannick Bakuchu, Madame Laetitia Lobota Bakuchu. Joyeux anniversaire à toi, notre épouse. Donc, c'est l'épouse de mon confrère, de mon collègue. Yannick Bakuchu, donc Aza Mwasi Nabiso. Laetitia Lobota Bakuchu, heureux anniversaire à toi, heureux anniversaire à tous les natifs du jour. Bébé Gofer Mamboté de la part de Mandela. On est ensemble vers la fin de cette tranche d'animation matinale. On pourra, si Sylvie est gentille, bien sûr, on pourra chanter et pour vous. J'espère que vous avez déjà envoyé vos photos. On est ensemble, mesdames et messieurs. RDC et Rwanda à quid de la déstabilisation de la sous-région? C'est la question que nous nous posons ce matin. Et pour en parler, nous sommes avec Julie Sefou, qui est déjà là en esprit. Elle est déjà là en esprit. Hein, Julie, nous t'attendons. Et il y a Prince qui est là. Ça fait longtemps, hein, Prince? Pas autant. Parce que déjà, j'étais là la semaine passée. Et vous, vous n'étiez pas là? Pas du tout. Voilà. J'ai dit longtemps par rapport à moi. Exactement, ça c'est vrai. Ça fait longtemps que je vous ai reçu sur le plateau de On est ensemble. Exactement. Merci d'être toujours là pour servir le peuple congolais. Christian et Mango. Bonjour. Excellent Dorcas. Début de week-end à toi. Merci, pareillement. Merci. Moi, il n'y a pas longtemps. Non, il n'y a pas longtemps. Très bien, comme moi, il n'y a pas longtemps. Ça va. Tu étais là le lundi avec nous lorsque nous avons parlé de si l'homme, nous nous sommes posé la question de savoir si l'homme pouvait gérer l'argent de sa femme. Alors, les hommes ont réagi sur ce plateau ici. Mais en tout cas, c'est bien. C'est bien. De toutes les façons, c'est notre argent. Donc, l'argent de mon mari, mon argent, c'est notre argent. Hein? Donc, nous pouvons gérer, mais l'homme reste le sommet, l'homme reste le chef. On dit au chef, chef, voilà ce que j'ai reçu. Comme mon chef là, lui, il est gentil. Quand je lui en parle, tu fais ce que tu veux hein, avec. Hein? Ah, c'est comme ça. Ah, tu es là. Je suis là. Bien habillée, femme africaine, femme noire. Je me suis rappelé ce matin. Je pense à toi. Je me suis rappelé ce matin que j'étais africaine. Oui. Alors j'ai dit, je vais dire bonjour à l'Afrique. Mais tu peux le dire, hein? Comment on dit bonjour en Afrique? Ben bonjour, Mbote Africa, Mbote Nayo, Mbote Mango, bonjour Prince. Comment en français? C'est une langue étrangère. Je m'entendais même à Jambo. Voilà. Hein? Jambo. Jambo, salam alaikum. Sans blague, salam, Jambo. Oui, avec l'Afrique, avec l'Afrique du... C'est arabe. Mais arabe, bon, arabe c'est bon. On a des pays africains. On a des pays arabes aussi en nord de l'Afrique. C'est arabe. Voilà. C'est pas africain. Hein. C'est arabe. Mais c'est beaucoup plus utilisé également du côté de. Voilà. En Afrique de l'Ouest. Non, mais une précision. Parce que quand on parle de salam tout court. Ça s'est dit aussi en Swahili. Oui, c'est Swahili. À côté de Jambo, donc c'est Swahili. D'ailleurs, on nous a appris que le Swahili, c'est une langue dérivée de l'arabe. Oui, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de mots voilà, qu'on retrouve et en Swahili et en arabe. Okay. Ouais, ouais. Je vous donne un exemple. Barak, que nous utilisons même aujourd'hui en français. On retrouve en Swahili, baraka, voyez-vous, exactement. Okay. Oui, la chance. Salam. Qu'on retrouve dans la langue arabe, on les retrouve aussi en chose, oui, en swahili. Okay. Shukran, yeah, merci, shukran. En arabe, shukrani
en swahili. Donc il y a plein de mots comme ça hein, qui viennent, qui découlent directement de la langue arabe. Donc ma salutation ce matin, au moins, elle est justifiée. Elle est justifiée. Donc, Mambo, c'est africaine, cette salutation-là. Merci. Alors Julie, on veut bien réfléchir hein, par rapport à la stabilisation du côté de la sous-région. On veut bien parler de la RDC et du Rwanda. Et des autres voisins dont on ne cite pas forcément directement le nom, mais ce sont des voisins. Quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que l'enjeu par rapport à la RDC, c'est que si nous sommes en paix, c'est toute la région qui l'est aussi. Voilà. Mais lorsque nous nous sommes menacés, on ne dit pas tout de suite que la sous-région est menacée. C'est injuste. Ça, c'est quand même injuste. Alors, des gens viennent. Il y a eu le ministre des Affaires étrangères russe qui lui aussi avait entamé sa campagne de charme et tout. Ben, tout de suite après, ce sont les Américains qui sautent dessus pour dire on va aller, on parle. Bon, Blinken est venu. On savait qu'il fallait parler élection en RDC. Il fallait aussi parler de cette stabilité, n'est-ce pas? Bon, finalement, c'est comme s'il y a eu plusieurs déclarations selon les médias, on dirait selon l'accès aux sources. Parce que moi, en tout cas, j'étais avec Blinken le jour où il était avec le président de la CENI. Mmh. C'est vrai qu'ils étaient en huis clos. Nous étions là. Du coup, ils ont disparu. On a remarqué qu'ils se sont enfermés à Kinshasa Digital. Et puis, ils sont ressortis, n'est-ce pas? Mais il était venu pour voir la catonne des jeunes qui proposent des solutions numériques innovantes pour la vulgarisation de la formation électorale. Okay. N'est-ce pas? Il était venu voir comment ça se passait. Et puis, il avait déjà fait son point de presse la veille avec le Tundu. Là. Bon, les médias savaient qu'il a parlé de quelques avancées et tout, mais il a fallu attendre que d'autres médias disent qu'il aurait dit au chef de l'État, il faut que les élections se passent en 2023, vous ne dépassez pas, gna gna gna. Mais moi, Blinken a dit, quand il est sorti de ce huis clos, que c'est une affaire de souveraineté, la RDC est souveraine, nous on ne s'y mixe pas, comme toujours, ben voilà. Mais dans tout ça, on continue à parler de la stabilité de la sous-région. Mm. Et apparemment, au Rwanda, il n'a pas clairement dit que c'était le Rwanda. Pas du tout. Bon, il n'a pas dit, mais il paraîtrait qu'il les a quand même interpellés aussi, non? Mais il a interpellé le Rwanda comme il a interpellé la RDC. L'un et l'autre ne devraient pas continuer à alimenter les groupes armés. Si je peux prendre la parole, j'ai, dans la formation académique que j'ai eue, on nous a appris la politesse du diplomate. Même s'il trouve que vous êtes en train de voler, mais puisque vous êtes chef de l'État, il saura comment le dire, poliment. Mardi passé, ici, on a parlé de la liberté d'expression. Le diplomate a aussi, il a même son indépendance, mais on lui demande d'ailleurs que dans cette indépendance-là, qu'il sache sur le territoire du pays où il est, qu'il sache voir les intérêts de ces pays-là et les intérêts de son pays, faire la symbiose et comme ça savoir communiquer. Sinon, s'il ne le fait pas, on va lui déclarer personne non grata. Et vous avez vu Blinken, dans la plupart des pays où il est passé, il a passé plus d'un jour, mais ici, je crois comme il semble que ça a été à peu près 4 heures seulement ou 5 heures. Oh non, il a dormi. Ah, il a dormi, oui, jusqu'au lendemain. Alors, mais c'est vrai, les tableaux que vous venez de peindre, je disais donc que le diplomate a une politesse, mais j'ai été aussi, comme je ne sais pas si je dois appeler ça la chance que vous avez eue. Moi, ce n'était pas un diplomate, mais c'était un rapproché de l'ancien chef de l'État, Kabila. Oui. Bon, avec ses proches, souvent, quand vous discutez. Mais il y a un d'eux qui m'a dit un jour, c'est un témoignage vivant, il m'a dit, vous savez, quand nous entrons dans nos réunions-là de diplomates, quand nous sortons, 20% de ce que nous disons est vrai, 80% est faux. C'est la politique. C'est un témoignage vivant. Ma grand-mère je vais taire son nom. Je vais taire son nom. Mais il me l'a dit que 20% est vrai, 80% est faux. Et effectivement, j'avais aussi personnellement reçu certaines informations avant que Blinken n'arrive,
ça se disait déjà dans les couloirs du palais, que ici sur place, il ne vient que nous dire de ne pas dépasser le délai constitutionnel pour organiser les élections. C'est ce qu'il est venu nous dire. Il est venu nous dire que toutes les mesures que nous prenons sur l'environnement, nous ne pouvons pas les prendre. Et aussi, on s'attendait... Y compris la vente des blocs gaziers. Et justement, c'est même sur ça que ça repose. Ouais, ouais, ouais. Et on s'attendait à ce qu'en échange de ce qu'il dira aux autorités congolaises, qu'il puisse aussi faire une déclaration publique ou à travers le... comment on appelle ça? Puisque nous parlons de la stabilité, à travers le rapport de la Commission spéciale des Nations Unies qui a travaillé sur les événements de l'Est du pays, qu'il puisse faire une déclaration publique où il condamnait, il indexait le Rwanda dans ce qui s'est passé à l'Est. Malheureusement, lors de la conférence de presse avec le ministre des Affaires étrangères, on lui pose cette question, même après, avec les autres médias, il répond en disant « Je suis venu plutôt pour la paix ». Il est venu pour la paix. C'était vague. Finalement, on ne sait pas. Mais la paix, sans savoir qui sont en train de se battre, comment vous allez faire la paix. C'est ça, sans savoir qui... Mais... Ça n'a pas de logique. Vous dites aux victimes, je suis venu pour la paix. Est-ce que la victime a besoin d'entendre ça? Justement, même si vous dites aux victimes, mais il faut que les victimes sachent qui sont leurs bourreaux. Voilà. Parce que si les victimes ne connaissent pas qui sont leurs bourreaux, voilà, un exemple. Quelqu'un... tue, c'est que je ne souhaite à personne, mais si quelqu'un tue quelqu'un que vous connaissez, un proche, vous qui n'êtes pas victime, vous pouvez aller faire porter plainte, on va recevoir ça, ouais. Mais si vous portez plainte et vous venez devant les cours et tribunaux pour réclamer qu'on vous alloue les dommages et intérêts, vous n'avez pas qualité parce que ce n'est pas vous la victime. La même chose, si vous savez que quelqu'un a tué une personne et que vous savez que c'est elle, mais vous allez accuser une autre personne. Quand vous allez arriver devant la justice, cette personne-là sera blanchie. Donc finalement, on doit savoir qui est derrière la guerre de l'Est, parce qu'il y a des conséquences qui vont s'en suivre. Lesquelles? Première conséquence, c'est qu'on est en train de demander aujourd'hui qu'il y ait un tribunal international pour la RDC. C'est que les responsables des exactions de l'Est devraient être déférés devant les cours et tribunaux. Voilà pourquoi on cherche à savoir qui est derrière ça. L'autre aspect, vous savez qu'avec les statuts de la Cour pénale internationale, il y a un dernier crime, je pense, qui est entré en vigueur en 2009 ou 2010, si je ne m'abuse. C'est les crimes d'agression. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, au sein de la communauté internationale, on peut constater qu'il y a un individu avec le pouvoir de l'État qu'il exerce, il peut agresser un autre État. Or, nous ici, nous sommes en train de clamer tout haut que Kagame serait derrière les exactions de l'Est. Donc, on souhaiterait, pour qu'il y ait la paix, parce que la réponse que le secrétaire d'État américain a donnée, c'est une réponse qui n'a aucun sens dans la mesure où vous ne pouvez pas nous dire que je suis venu juste pour la paix, parce que aussi longtemps que des enfants congolais se diront que Kagame est derrière la situation de l'Est, il n'y aura pas de paix. Peut-être ils vont toujours chercher... Les enfants du Congo les disent également sans preuve, et lui, il a joué aussi. Justement, mais les preuves, on les brandit devant les instances attitrées. Ça, il aurait quand même dit au Rwanda qu'il y a des preuves, des éléments qui attestent... Du soutien du Rwanda au M23, mais aussi de la présence de certains éléments de forces rwandaises à côté de ces gens-là. Ah, mais Rwanda. Justement, dans ce cas-là, alors, il faut accompagner cette région du Grand Lac, la fameuse dont nous sommes en train de parler ici, il faut l'accompagner à établir ces vérités-là. Je me rappelle encore, je terminerai par là, que... lorsqu'on nous enseignait le droit coutumier, on nous disait souvent que la différence, et c'était une question fondamentale même lors des examens, la différence entre la justice africaine coutumière et la justice africaine importée,
donc la justice de l'Occident, c'est que la justice occidentale coupe la poire en deux. Alors que la justice africaine tisse la nappe, un peu comme Julie Sefo s'est habillée. Oh. Avec ses broderies, jolies d'ailleurs. C'est ça la justice africaine. C'est-à-dire qu'on peut voir là où c'est déchiré, mais on cherche l'aiguille pour tisser. Voilà. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin absolument, et c'est ce qui s'est passé avec la justice transitionnelle en Afrique du Sud, on n'a pas besoin absolument, aujourd'hui les gens sont déjà morts, on ne les ressusciterait plus, mais on n'aura pas forcément aussi besoin qu'on puisse absolument pendre quelqu'un. Parce que même si on pendait quelqu'un qui a tué votre père, ça ne va pas... Ça va redonner le souffle. Peut-être même cette douleur-là ne finira aussi jamais. Parce que... Alors, la meilleure chose, c'est que cette personne-là puisse, par exemple, demander juste pardon, reconnaître qu'effectivement, il avait été auteur et tout ça. Ça peut vous apaiser. Ça peut vous apaiser. Mais donc c'est ça le chemin de la paix et c'est la réponse un peu contrastée que personnellement j'ai trouvée de la part du secrétaire d'État américain. Et là, la région de Grand Lac, si c'est cette politique-là qui est imprimée par les États-Unis, j'ai craint fort qu'il n'y ait aucune solution par rapport à la situation d'instabilité que nous connaissons actuellement. Le contribuable américain met beaucoup d'argent dans le trésor. Et Blinken vient avec un gros appareil, avec des chiens et tout ça. En tout cas, c'était une très, très grosse délégation. Nous, on a des attentes, forcément. Et à la fin, on a cette réponse-là. Vous savez, Barack Obama disait ceci, que l'Afrique avait besoin des institutions fortes et non pas des hommes forts. Et c'est ce que nous avons vu avec Blinken, avec toute la logistique qu'il a en compagnie. Ce n'est pas la personne de Blinken qui a atterri en Afrique, mais c'est tous les États-Unis. Ah oui, okay. Rien à faire. C'est tous les États-Unis. Ouais. Vous verrez même avec Nancy Pelosi quand il est allé au niveau de Taïwan. C'est pratiquement la même logistique. C'est les États-Unis qui viennent. On a attendu qu'elle rentre pour qu'on reste jacassé. Exactement, c'est les États-Unis qui se déplacent. Ouais. Et ça, c'est très important. Et vous l'avez très bien dit avec l'ancien, disons, le ministre des Affaires étrangères russe qui est arrivé ici. Bon, en fait, moi, je prends l'Afrique comme étant le jeu de dames. Où nous, les Africains, nous sommes les pions. Et les vrais joueurs de ces jeux-là, ce sont les Américains et les Russes actuellement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que à la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, la Russie était l'une des plus grandes perdantes. Et il a fallu fournir des efforts pour qu'ils reviennent à la hauteur des États-Unis, la France, ainsi de suite. Bon, bien qu'on peut aujourd'hui critiquer Poutine, mais il a réussi à ramener et aujourd'hui, elle a il aussi va besoin conquérir. De se faire des alliés. Exactement, hein, en Afrique, protéger, voilà. Exactement. C'est ça la guerre. Et depuis pratiquement 2008, on voit ça du côté de la Russie. Maintenant, pour revenir dans notre sujet, il y a une chose qui a le plus attiré mon attention lors des deux conférences de presse au Congo et au Rwanda. C'est l'attitude des homologues de Blinken. Quand vous suivez Lutundula, l'attitude, parce que Lutundula en ce moment-là représente la RDC. Et l'attitude RD congolaise, elle était trop plaintive. Non, voilà, ils nous agressent, si c'est là, reconnaissez que ce sont eux nos bourreaux. Contrairement à l'attitude du chinois. Voyez-vous, une attitude trop plaintive. Donc on attend tout de quelque part. Bon. C'est vrai que on a été colonisé par le Belge. On sait que le Belge c'était le système paternaliste, donc où on attend tout de papa. Et c'était ça l'attitude. Mais dans toutes de la ces RDC. Plaintes-là aussi, c'est vrai que nous sommes attaqués. Non, non. Il ne s'agit en fait. Mais Mango, c'est ce il y a que une vous réalité. Avez étudié à l'école. Il fallait. Il y a une réalité. Il y a une réalité. Il y a une réalité. En tout cas, pas du tout. Pas du tout. Il y a une réalité. Les faits sont têtus. Les faits sont là. Mais quelle attitude? Regardez le Rwandais. Avec toute arrogance, une attitude vraiment belliqueuse. Une attitude belliqueuse. Donc tu as comme l'impression, bon c'est vrai, ce sont des homologues avec Blinken, mais tu as comme l'impression que le Rwanda est au même niveau de puissance
que les États-Unis. Voyez-vous, une attitude vraiment belliqueuse. Bon, vous osez, on vient frapper. Vous osez, on vient frapper. Et c'est ça l'attitude que nous a présentée le Rwanda. Mais au-delà de tout, c'est une question, tout simplement, on ne cessera de le dire, une question des intérêts, de l'intérêt stratégique au niveau, sur le plan économique, mais aussi sur le plan des puissances de feu. Parce qu'aujourd'hui, si les États-Unis veulent, par exemple, attaquer la RDC, ils n'ont pas besoin de faire déplacer tout son armement des États-Unis pour venir. La zone tampon, ça peut être de l'autre côté. Hein? Ah oui, bien sûr, ça peut être de l'autre côté. On donne juste. Et d'ailleurs, depuis quelques années maintenant, les Rwandais bénéficient d'une formation de qualité sur le plan militaire qu'ils bénéficient des États-Unis. Tout ça, c'est pour que les États-Unis aient une mainmise sur la sous-région. Bon, vous allez nous parler de EAC, de SADC, ainsi de suite. Oui, c'est très bien. Des fois même, on nous pousse, nous, la RDC, à y intégrer. Mais nous ne sommes pas. Nous n'avons pas en tant qu'acteurs principaux. Non, non. Peut-être en tant que figurants seulement. Pour qu'on voit que non, voilà, cette communauté a un grand nombre de participants. Mais en réalité, nous ne faisons pas partie du calcul des États-Unis. Nous avons vu... Pourtant, on est dans un partenariat privilégié, plus fort. Non, mais Maître Mango l'a dit tout à l'heure. Maître Mango l'a dit tout à l'heure, sur le plan officiel, disons solennel, ils peuvent le dire. Et d'ailleurs, bon, déjà, est-ce que c'est vrai, c'est souvent nous qui disons que non, voilà, nous avons une relation privilégiée, et puis l'ancien ambassadeur aussi des États-Unis disait la même chose, mais est-ce que... C'est lui qui nous l'a dit. Exactement, et nous on a répliqué, mais est-ce que c'était vraiment les dires des États-Unis, ou bien c'était juste pour voiler la face? Là, on revient comme dans ça que... le 20% de exactement, la vérité. Exactement. Donc, parce que ce qui est sûr, c'est qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, Maître Mango l'a très bien dit, il faut à un moment donné que les Congolais se prennent en charge. L'ancien président américain Truman disait ceci: il n'y a pas de diplomatie sans feu, sans armes. Ou alors, une diplomatie sans armes, c'est comme de la musique sans instrument. Or, nous, on veut faire exposer au monde entier que non, voilà, nous sommes des agneaux, on ne sait pas manipuler, ainsi de suite. Les Congolais doivent se prendre en charge. Qu'est-ce que vous entendez par là? La société civile a même demandé que le multinational n'achète plus, en train de pleurnicher. Vous voyez un peu, nous autres, là, qu'est-ce que nous faisons? Que nos minerais, par exemple, nous sommes vendus de l'autre côté, que nous-mêmes exploitions, qu'on lève l'embargo sur les armes, parce que c'est tout ça. Non, on est toujours sous embargo, ça se fait pas. Il y a un premier pas, je ne sais pas si tu permets, Prince, il y a un premier pas. Blinken, en passant ici, commence par dire que les États-Unis mettent 27 millions de dollars pour l'organisation des élections. Ouais. Chez nous, effectivement, nous constatons qu'il y a un problème de leadership, d'abord. S'il y a la conscience dans les autorités... ce sera facile, tout va aller comme sur des roulettes. Ces derniers temps, je vois que ça circule dans les réseaux sociaux, qu'il y a des chasseurs, des avions de guerre là, petits avions là comme ça, un peu comme la taille de ce plateau ici où nous sommes, qui ne coûtent que 200 000 dollars. C'est l'argent parfois qu'il y a des gens qui détournent journalièrement ici au Congo. Je dis bien journalièrement. On utilise ça dans les bruits. C'est-à-dire 200 000 dollars pour acheter des chasseurs qui n'auront qu'à viser Bounagana et puis lancer des tirs là-bas. C'est simple. Donc la prise de conscience, quelque part, j'appuierai la position aussi américaine de dire que nous ne devons pas dépasser 2023 sans organiser les élections. Mais il y a aussi... On organise les élections et ça stoppe l'agression, hein? Ça va être le premier pas, parce que le constat que nous avons aujourd'hui, voilà l'exemple, encore Kabila en fonction, on se disait c'est Kabila qui était derrière la guerre. Ça, les Congolais qui vont les nier, en tout cas, manqueraient d'honnêteté. Kabila n'est plus en fonction. Aujourd'hui, on constate que ce n'était pas une affaire de Kabila. Le problème était ailleurs.
on comprend de plus en plus qui sont derrière la situation de l'Est. Et peut-être que Kabila s'était rendu compte que Bisso Mokoba Congolais, toi, on a Bisso ben conscient, donc ça ne sert à rien que peut-être il donne sa vie pour des gens au Bango Moko. Voilà aujourd'hui que nous avons un nouveau régime dont je ne citerai pas les noms. Mais quand vous remarquez que les gens sont en train de passer leur temps à se chamailler dans les institutions pour mettre tel en prison, pour... parce que tel a dit qu'il y a l'argent qui sort dans les pays, j'espère que moi aussi on ne va pas m'attaquer après. Pendant que vous avez des problèmes plus sérieux, vous comprenez que, en fait, les problèmes, c'est des dirigeants. Il faut balayer d'abord cette Mais il semble que ça, Blinken l'a dit aussi. Hein. Il a cité des cas. Effectivement, ouais. Moi j'appuie ça, mais je dis seulement que ce que j'ai toujours constaté chez les Américains et la communauté internationale dans son ensemble, c'est qu'on organise les élections pour des formalités. Oui. Les élections pour les élections. On ne contextualise pas pour les délais. Ouais. On ne tient pas compte des réalités. Jusqu'aujourd'hui, ouais. Qu'est-ce que la CENI? Ils ont discuté. Ça, c'est du copier-coller. Oui, ils ont discuté. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes déjà août. C'est-à-dire que le processus électoral de 2023 connaît déjà 12 jours de retard. Logiquement, on ne peut pas organiser en 2023 si on se regardait franchement dans que les yeux. On entre, on discute avec la CENI, on ressort de là. Récemment, on a appris, bon, c'est l'information est confirmée d'ailleurs, que c'est la même firme qui avait donné les machines à voter à Nanga, c'est la même firme qui vient de donner les machines à voter à Kadima, plus cher que ce qu'il avait donné à Nanga. Ah. Pourtant, vraiment, c'est la, même chose. C'est la guerre de l'Ukraine. Hein? Alors, donc vous constatez finalement Mais au moins, du moins, tous les moyens sont bons finalement pour se faire. Oui, se faire de l'argent. Voilà, dans les problèmes, hein? Il est simple. Nous avons une classe politique qui est inconsciente. Le peuple, c'est pour eux les rares cas où moi je condamne le peuple aussi. Oui, Goma, félicitations. Mais les Quinois, réveillons-nous un peu. Le peuple. Quelque part aussi, laisse faire les autorités. Parce que Goma est pour beaucoup de la dénonciation, de l'indexation du Rwanda. Effectivement. Effectivement. Goma. Donc, je constate pour ma part que, oui, il faut aller aux élections. Mais il y a un problème. Nous ne pouvons pas aller aux élections avec la Cour constitutionnelle que nous avons. Ça, le secrétaire d'État n'a pas dit ça. Vous mettez 27 millions de dollars, mais ça va aller dans la poubelle. Il faut faire pression pour que cette Cour constitutionnelle-là ne soit pas celle qu'elle est. Ou on peut faire sauter un juge du matin au soir comme ça. Vous voulez qu'on aille aux élections avec les climats dont on a installé les présidents de la CENI. Qui a confiance à Kadima? En tout cas, pas moi. Déjà qu'il achète la machine à voter plus cher que les prédécesseurs. Donc, vous remarquez déjà que les machines à voter de 2018 coûtent moins cher que de 2024, alors que nous savons que nous en avons ici et tout ça. Je voulais poser la question à Christian. Est-ce que c'est le même modèle? Est-ce que peut-être que... C'est le dernier cri. Voilà. Mais attendez, ça ne justifie et, pas. Et c'est que nous avons et eu avant. On a remis ça. On a remis ça. Non, on avait déjà des machines ici. C'est-à-dire que s'ils gagnent le marché, oui, si on a entendu qu'il y a la pub. Si on a gagné. Contexte, c'est ça. Mais donc, en fait, le secrétaire d'État américain n'a pas à venir dire je vous donne 27 millions de dollars, organisez les élections. Parce que quand on va organiser les élections, on va aboutir à ce qu'on a abouti en 2018. C'était des élections bâclées, désordonnées, au finish. Nous n'avons pas eu les autorités qui nous convenaient. Je n'ai cité les noms des personnes, pas de diffamation. On n'a pas eu les autorités qui nous convenaient et malheureusement, nous sommes en train de tourner autour du pot. Ce que les États-Unis ne sont pas en train de voir, c'est que vous pouvez crier comme vous voulez, vous n'allez pas vendre les blocs pétroliers avec des autorités que nous avons. Vous n'avez plus la facilité de mettre la main sur eux. On revient, vous voulez que nous allions aux élections, c'est une chose, hein. Christian a beaucoup plus mis l'accent sur la CENI, sur M. Kadima et j'en passe. Mais moi j'ai dit, et la Cour constitutionnelle, vous voulez que nous allions aux élections pendant qu'à l'Est il y a encore l'insécurité. Bon, ils vont voter après. C'est ce que j'allais dire. On va encore retomber sur le même refrain. Oui. Ah non, il y a eu le tricas là-bas. Il y a eu l'état de siège là-bas. Là-bas, il n'y aura pas élection. Ils sont Congolais et ils ont droit également de voter. Réfléchissez d'abord avant de prendre des décisions. La guerre sera finie. Pub. Calmer, hein. Et puis on revient. Prince, vous voulez qu'il y ait des élections en 2023. Julie m'a soufflé quelque chose ici avant la pub. T'es guerre et aussi là, oui. Avant qu'il y ait une élection. Ouais.
Par la foi. Je voudrais rebondir sur quelque chose de très important que Maître Mang va soulever tout à l'heure. La qualité de nos dirigeants. Qui sont nos dirigeants aujourd'hui? Pour la plupart des cas, on se retrouve face à des dirigeants qui, un, ne connaissent pas les Congolais, et des deux, ne connaissent pas le Congo. Et les trois, nous les acceptons. Ils sont là en train de nous diriger. Oui, exactement. Mm. Là, c'est maintenant du côté de nous, qui sommes le peuple, qui acceptons. Nous, on cherche d'abord, on n'a pas le temps de réfléchir. Comment voulez-vous que quelqu'un s'inquiète, par exemple, de ce qui se passe dans l'est de la RDC, alors qu'il n'en a aucune idée? Il n'y a jamais vécu. Il ne connaît absolument rien. Il a étudié Napoléon, il n'a pas étudié... Exactement. Même s'il a étudié Napoléon, Jeanne d'Arc, ainsi de suite. Mais tu as, en fait, on sous-attend que tu as passé pratiquement 22 ans ou 25 ans à l'école, de l'école maternelle jusqu'à l'université. Donc, quelque part, dans ton parcours, on t'a quand même parlé de la RDC. Et nombreux sont passés par les élections. Exactement. Et ça, c'est très important. On a voté. Alors, avant même de parler des élections, aujourd'hui, avec les reculs, quand j'essaye de réfléchir sur la guerre qui se passe dans l'est du pays, à un moment donné, je me permets vraiment de dire que c'est une affaire vraiment personnelle. Une affaire personnelle pour Museveni, une affaire personnelle pour Kagame. Je donne un exemple. Pendant qu'Abirman était président de la République, Kagame, soutenu alors par Museveni pour venir renverser Abirman au pouvoir, c'est Mobutu, l'ami d'Abirman, qui a envoyé les FAS, à l'époque Forces armées zaïroises, pour aller barrer la route aux rebelles Kagame. Et il les a poussés jusqu'à la frontière avec l'Ouganda. Et le monsieur, il a gardé une dent contre nous. Avec la bénédiction aujourd'hui des États-Unis qui fait de lui le pion, un enfant de cœur au niveau de l'Afrique centrale, mais on ne peut que vivre tout ce que nous on vivons. On fait de lui un enfant de cœur à cause de son sérieux, il semble. Non, mais quel sérieux? Parce qu'on parle justement, on parle des intérêts, justement. Il s'avère qu'il est sérieux. Il a organisé chez lui, on peut atterrir, se sentir à l'aise dans un pays, pas dans la jungle. Et du coup, on vient le renforcer. Non, mais c'est ce qu'on essaie de vendre au monde. Madame, vous êtes de la communication. Vous savez qu'on peut partir d'un fait, mais donner à ce fait-là une autre connotation en communication. C'est ça ce qui se passe avec Au moins, avec les faits, il est sacré. Exactement. Les faits, il est sacré, bien sûr. Mais aujourd'hui, il a organisé le pays. Il a organisé, je ne sais pas, tout ce qu'il a fait, ainsi de suite, chez lui. Mais c'est sur le sang qu'il a fait ça. C'est sur le sang. Je vous renvoie à la conférence de presse. Quand Blinken évoque la question de l'arrestation de Paul Rusesa Baguina comme étant résident aux États-Unis, c'était quoi la réaction du diplomate rwandais? Non. Rusesa Baguina, c'est un Rwandais, il a été jugé, tout ça avec beaucoup d'arrogance. Voilà. Ouais. Voyez-vous. C'est qu'à un moment donné, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve dans une sorte de jeu de ping-pong où le Rwanda, avec le niveau qu'il a atteint aujourd'hui, il se voit pratiquement au même niveau que les États-Unis sur le plan africain. C'est-à-dire, aujourd'hui, si les États-Unis disent une chose, il est à même de répliquer. Pourquoi? Parce que je me pousse même à me dire moi-même que je pense que les États-Unis, jusqu'à présent, n'ont pas encore trouvé un autre acteur majeur pour la sous-région. À l'époque, c'était Mobutu qui était leur homme fort. Mobutu aussi a joué vraiment son rôle. Et aujourd'hui, les Américains sont en train de voir qui. Parce qu'on ne peut pas compter sur Museveni, parce qu'avec l'âge qu'il a, on ne peut plus compter sur lui. Il a tout donné. On ne peut plus compter sur lui. Et à la question qui, c'est Kagame que nous voyons. Kagame. Mais on demande aussi l'alternance chez lui. Exactement. Il faudrait qu'on trouve. Exactement. Même Kagame aujourd'hui, il est presque à la fin. Il ne sera pas là éternellement. Non. C'est comme ça que quelque part, les cartes des États-Unis peuvent encore être rejouées ici, chez nous, en RDC. Et cette fois-là, mais ça avec sera qui? Nous, les enfants de cœur. Exactement. Mais ça sera toujours comme ça. Mais maintenant, qui pour incarner cet enfant de cœur
des États-Unis. D'où maintenant, on revient sur cette question des élections évoquées par Blinken. Dans le délai. Voilà, dans le délai, ainsi de suite. Bon, qui vous dit qu'ils n'ont pas peut-être, qu'ils n'ont pas encore déniché leur pion? Est-ce celui qui est en place aujourd'hui ou c'est quelqu'un d'autre? Tout ça, c'est question mark. Tout ça, c'est question mark. Alors, moi, je pense vraiment que... Tout ça, c'est question au-delà, mark. Alors, on au-delà... fait quoi? Wait and see. On attend et on va voir. Non, mais c'est ça la mauvaise... plus de 60 ans. Hein? Non, mais c'est ça la mauvaise, la mauvaise attitude. Je vais vous dire une chose. Quand vous êtes, par exemple, au Kenya, ils ont une autre mentalité. Des voleurs, hein, il y en a partout. Bon, en fait, ceux qui détournent de la caisse de l'État, ainsi de suite. Mais quand vous arrivez, par exemple, au Kenya, tu as beau voler, ok. Mais ces gens-là, ils font quoi? Ils ne construisent jamais à l'étranger. On en voit là, avoir des châteaux en France, ainsi de suite, ils ne les font jamais. Ils construisent chez eux. Parce qu'ils se disent, les jours où on découvre que Maman Dodo avait détourné autant de millions et a construit un immeuble à 20 niveaux, l'État vient saisir et ça va encore profiter à l'État. Pas à un individu. Pas à un individu. C'est comme ça qu'eux, ils réfléchissent de l'autre côté. C'est différent de ce que vous avez dit tout à l'heure. Bon, nous sommes jugeurs. La première des choses, nous allons de l'autre côté. Donc, l'amour du Congo dans le chef de ceux qui nous dirigent, ça n'existe pas. Et surtout actuellement, étant donné que, bon, dans l'entourage de nos dirigeants, tous nous viennent de l'autre côté. Quelqu'un qui a fait 30 ans, 20 ans, 35 ans, 40 ans à l'étranger et qui revient aujourd'hui, pensez-vous vraiment que dans sa tête, là, il y a même une petite portion de ce que la République démocratique du Congo, la RDC, représente quoi pour lui? Mais si c'est absolument vraiment, rien. Nous devons réfléchir sous cet angle-là, je me dis, j'ai fait 40 ans à l'extérieur, quand je reviens, normalement, je dois avoir ces soucis-là de faire ce que j'ai vu ailleurs. Non, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Parce que ailleurs, si qui vous passe avez là... roulé et carrosse, Nabanzila et Kitoko, donc le premier souci, c'est que Nabanzila et Kitoko dans le Congo. Non, non, ça n'arrivera pas. Là-bas, parce que déjà, ces personnes-là. Mais ces personnes-là, déjà, quand ils reviennent, ils ont déjà changé la nationalité depuis très longtemps. Mais c'est quoi notre sort? Donc, ils ont tout changé, c'est ça. Voyez-vous, ils changent tout. Dans leur tête, ils ne réfléchissent plus RDC. Bon, écoutez, bon, d'accord, j'arrange la route en RDC. Pour amener ici, bon, excusez-moi, je ne fais pas la pub, mais voilà, ma voiture Ferrari ici pour rouler en RDC. Non, il ne calcule pas ça. Il ne calcule pas ça. Parce mais que... on fait quoi? Parce que Christian Mango a essayé un peu de comparer. Je salue tous les Kinois et toutes les Kinoises qui nous regardent en ce moment. Mais il a dit quelque chose de très important. De l'autre côté, je ne sais pas, ils en ont tellement ras-le-bol qu'ils réfléchissent autrement depuis un certain temps. Donc, quand c'est bon. Quand c'est pas bon, ils réagissent pour dire c'est pas bon. Quand ils veulent, ils veulent. Quand ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Ce qui n'est pas le cas pour nous. Non, mais, Maman Dodo, je vais vous dire. Nous, à Kinshasa, on est toujours dans les bruits. Vous savez, il y a une chose. Oui. Vous savez, la mentalité, déjà, des ressortissants de l'Est du pays est très influencée par la partie Est du pays. C'est comme ça que vous verrez même sur le plan culture, éducation. Des fois, on se retrouve face à un déphasage d'un Kinois et de quelqu'un de là. Déjà, à partir de là, il y a déjà une nette différence. Autre chose, quelqu'un qui te vit en l'Est, dans l'Est du pays, ne calcule pas, en fait, l'État congolais. Il ne calcule pas la politique. Pourquoi? Parce que déjà, culturellement, il est habitué à se prendre en charge. Et si vous voyez aujourd'hui les Congolais dans l'Est du pays dénoncer tout cela. Tout ce qu'ils demandent à la fin, c'est seulement la paix. C'est seulement la paix. Quelqu'un qui va aller au champ, il va cultiver, il va récolter, il vient, il revend. Cette vie-là, ça lui suffit. La politique qui est faite à Kinshasa là-bas, ça ne le concerne pas. Voyez-vous. Et c'est vrai que depuis plusieurs années, la population dans l'Est du pays a été victime de toutes ces atrocités. Et quelquefois, on accuse même Kinshasa de soutenir. Mais bon, écoutez, on vient me tuer chez moi, mais pourquoi est-ce que vous ne réagissez pas?
Aujourd'hui, bon, moi, sincèrement, je suis très hostile aujourd'hui avec, avec ce que vous appelez état de siège. Bon, comment voulez-vous que la paix se termine dans l'est du pays? Quand vous avez un gouverneur militaire qui arrive et qui vous dit, ben, ce qui se passe, les tueries qui se passent là-bas, c'est votre affaire. C'est votre affaire à vous. Trouver la solution à ce problème. Comment restaurer la paix? Comment restaurer la paix? Déjà, quelqu'un qui s'auto-exclut. C'est comme ça que même dans les castings des personnes qui devaient normalement gérer l'état des sièges, quelque part, l'autorité a très mal fait le choix. Parce que vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un qui s'auto-exclut, qui lui se voit d'un tel coin, et vous là-bas, vous êtes vous. Peut-être qu'il s'est déraillé de sa mission première. Non, mais exactement. On l'envoyait là-bas en état de siège, il avait compris ce qu'il fallait faire, mais après, bon. Non, mais qui vous a dit que pour restaurer la paix, on a seulement besoin des généraux? 4 étoiles, 3 étoiles, ainsi de suite. Nous avons connu Mamadou Ndala. Nous avons connu Mamadou Ndala. Il n'a jamais été général, c'est vrai. Actuellement, c'est le général à titre posthume. Mais il n'a jamais été un général. Mais il est arrivé à mettre fin au groupe rebelle, au M23, ainsi de suite. On n'a pas besoin seulement de ces personnes. Nous voyons même avec les Américains, sur les champs de bataille, on n'envoie pas des généraux. Hein. C'est souvent des capitaines, à la limite des colonels. À la limite. Mais ce que nous voyons, c'est vrai, Maître Mango a totalement raison. Le problème de nos autorités. Et moi, j'ajoute le problème des castings. Des personnes qu'on envoie. Parce qu'aujourd'hui, bon, la dernière fois, on a parlé de la MONUSCO. Oui. C'est un sérieux problème. Aujourd'hui, quand vous écoutez les Congolais dans l'est du pays dire, je cite, ba MONUSCO, ba Toki, ba Rudi Kwabo. Déjà là, il y a une nuance et un éclairage que je voudrais apporter. En principe, quand on parle de « MONUSCO, Batoke, Bayende, Kwabo », l'appréhension que nous avons ici à Kinshasa de la MONUSCO, ce n'est pas la même chose. Parce que, bon, littéralement, hein, que les MONUSCO quittent et partent... Rentrent chez eux. Et rentrent chez eux. Voyez-vous. C'est où chez eux? Oui, à Bora. Bora. Voyez-vous. En principe, on fait allusion. À Longwa. Exactement. Baroudia, Bazonga. Voilà. Alors, quand il dit ça, on fait référence au casque bleu de la MONUSCO. Hein. On fait référence. On ne voit pas Bitung Keita. On ne la connaît pas là-bas. On ne la connaît pas. Mais quand quelqu'un, un villageois, dit MONUSCO, il fait référence au casque bleu. Or, nous savons que le casque bleu ont des nationalités. Ils sont uruguayens, népalais, marocains, ainsi de suite, et tout. Et à la suite, ils vous disent, bon, que d'accord, partez, mais laissez la logistique au FRDC. Voyez-vous. À aucun moment, on touche au côté administratif de la MONUSCO. Mais on voit tous ces contingents-là. Voilà pourquoi, avec tout ce qui se passe, on pense que les élections peuvent se tenir. À moins qu'on nous balance, à moins qu'on nous lance, en fait, on nous soumette à ce scénario que nous avons vécu en 2018, où on a rayé pratiquement les zones telles que Beni, ainsi de suite. Mais malgré cela, vous avez vu la population organiser leurs propres élections et aller voter. C'est vrai qu'il y a des zones vraiment rouges où vivent ces groupes armés. Mais d'un côté, il y a aussi la population. Et très généralement, les groupes armés sont dans des coins où ils sont pratiquement seuls. Et à chaque fois qu'on entend dire que les groupes armés ont tué, ont décapité, ont pris en otage, très souvent, ce sont des gens qui quittent ces petites zones de confort ou de refuge, qui vont au champ pour aller récolter quelques affaires, pour venir s'en servir. Ce sont ces personnes-là qui deviennent maintenant des victimes. Donc aujourd'hui, la question de la sécurité de l'Est ne peut pas constituer un prétexte pour la non-organisation des élections dans l'Est du pays. Ah, ta réponse, Dodo. J'ai eu ma réponse. Il faut qu'on y aille. J'ai eu ma réponse. Il y aura élection en 2023.
et il y aura la paix. Déjà avant les élections, il y aura la paix à l'est de la République démocratique du Congo parce que ils ont droit également de voter. Ils ont droit. Ce sont des citoyens congolais. N'est-ce pas, Emango? Oui. J'ai fait un petit constat. Le lundi passé, nous avons parlé de est-ce que l'homme peut gérer les finances de sa femme. On avait une pluie de messages ici. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a même un seul qui est déjà entré. En fait, le Congolais... Politique, il y a. Il y a un Nagnaloba. Mais quelqu'un qui a beaucoup géré, il y a moi, sinon, il y a un Nagnaloba. En fait, le Congolais, il faut à un moment donné que nous arrêtions de démissionner. De voir un tel, une telle. C'est dit, somme, t'as tiré à qui va politique, ça va bien, les canangaï pour basan, voir comédien. Effectivement, bisomoro, tout là, ça peut peuple, yango. Tout ça, on a bisoraba comédien. Mais il faut pas que tu démissionnes jusqu'à la fin. Il faut que on reste focus. Moi, j'ai fait quelques petits calculs. Je venais de parler, je ne sais pas, je n'ai pas retrouvé les mêmes chasseurs russes. Mm-hmm. Je viens de voir, parce que l'autre chasseur russe, là, ne porte que deux missiles. Okay. Mais je viens de retrouver, je parle des chasseurs russes parce qu'on sait que nous sommes sous embargo. Ah. Mais nous savons où nous pouvons nous procurer les armes. Ah, voilà. En toute souveraineté. Okay. En toute souveraineté. Et je sais pourquoi je parle des chasseurs russes. Parce que Bissona Binona Bango, parce qu'on nous dit que non, l'embargo, ce n'est pas sur le gouvernement. Le gouvernement peut acheter, mais... je ne sais pas moi, à part le gouvernement, qui peut encore faire entrer les armes au Congo parce que, selon la loi ici au Congo, ce n'est pas permis à tout le monde d'avoir des armes. Et encore, des gros calibres. Et en donc, plus. En plus. Et donc, j'ai vérifié. Le SUV SU-400 russe coûte 18 millions de dollars seulement. Ah, ok. C'est-à-dire, avec les carrés miniers là-bas, je sais... Il y a des gens qui font 2 millions de dollars par semaine. Ça, c'est une information que moi, je sais. 2 millions de dollars par semaine, c'est-à-dire à capable de Yarosomba, avion russe, qui transporte 12 missiles et qui peut tirer, qui peut détecter seulement tout danger à 400 mètres, mais qui peut tirer jusqu'à 3500 kilomètres. Et donc, ça ne coûte que 12 millions de dollars. C'est-à-dire que si on tient 1 milliard, nous allons en avoir 55. Vous pensez que Bounagana, là, les gens vont... Oui, ça ne coûte que 12 millions de dollars, 18 millions de dollars. Donc, si on met 1 milliard de dollars là-dessus, nous allons en avoir 55. Vous pensez que Bounagana, là, ça va faire un mois à tes États-Unis, Nimtoana Sima. Vous pensez que Bounagana va faire un mois avec des rebelles. Mais on va les pilonner là-bas à la minute et puis ils vont fuir. Vous savez ce que les... Comment il s'appelle encore ce général iranien, je pense. Son nom m'a échappé. Ah, ça va me revenir. On a vu des images ici il y a 2-3 ans où les États-Unis, voyant le cortège de ce général-là iranien en train de circuler, on a envoyé les avions qui ont pilonné le cortège. Donc c'est clair que on n'a pas à réfléchir. Il n'y a pas de raisonnement compliqué à faire. Nous allons chez les Russes et nous allons les dire tout haut. Nous allons chez les Russes, nous achetons les armes. Nous avons les moyens de les faire. Avec 1 milliard, on en aura 55. Nous achetons, nous amenons ici et nous nous battons. On va voir quel pays du monde viendra nous dire de faire ce qu'eux pensent. Ça ne va pas être une récidive en politique parce qu'il y a eu des cas comme ça. Non, où non, nous mais... sommes désolidarisés des uns pour s'aligner de l'autre côté. On appelle plus fort, on a raccroché au nez. Mais non, mais gens, pour l'instant, nous payons déjà. Pour l'instant, nous payons déjà le plus fort. J'ai eu encore un autre rapproché de l'ancien président de la République qui m'a expliqué un jour qu'est-ce qu'il y avait. Engendrer l'attitude que Joseph Kabila avait eue par rapport aux États-Unis et au reste de l'Occident. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que lorsque Joseph Kabila a pris les pouvoirs, le premier pays occidental où il a fait le déplacement, c'est les États-Unis. Oui. Comme c'est toujours le cas de tous les présidents ici qui arrivent. Mais lorsqu'il arrive là-bas, il discute avec le président américain à l'époque,
Lui était venu sur des projets en termes de milliards, mais on lui a dit ceci. Nous ne vous donnons pas encore les projets en termes de milliards, nous ne vous donnons que 40 millions d'euros. Pour financer quoi? Pour financer les programmes sur la lutte contre les VIH-SIDA ici qui devaient passer par leurs organismes, USAID, tout ça. Oh, il a dit, mais ça c'est quelle distribuer blague? Distribuer des préservatifs. Ça c'est quelle blague comme ça? Oh non, quand vous remettez l'argent, vous détournez, vous faites ceci. Mais alors, coupez carrément tout contact, tout rapport avec nous. Laissez-nous maintenant, nous décidons. Alors, c'est pour ça que j'ai dit que le voyage d'Anthony Blinken ici, ça a été faux tourné. Donc, a dépensé un bon américain pour rien. Ça, d'ailleurs, je le dirai aux Américains. Il a dépensé votre argent pour rien. On aimerait bien s'ouvrir la restitution qu'il fera chez lui, chez localement, et la réaction surtout de l'autre. Je vous donne, je vois le temps qui va. Voilà ce que Blinken dit. Il arrive au Rwanda, vous venez de le rappeler tout à l'heure, il dit que la RDC soutient les FDLR. Mais c'est ça parce que nous demandons. Au même moment, il dit que le Rwanda soutient le M23. Donc on joue mais à quel quoi? Soutien la RDC peut donner au FDLR lorsqu'il n'arrive pas à faire partir les M23? Est-ce que ça a un sens? C'est pour plaire à qui? C'est pour caresser qui? Et je comprends que le problème de leadership dans la région de Grand Lac, c'est parce que les autres puissances n'ont pas encore trouvé qui peut être, je parle de leur allié individu. Qui peut être leur véritable allié en tant qu'individu? Or, il faut penser à ces alliés-là. Vous savez, notre ami ici, Nzita. Nzita bousillait l'argent des Américains pour rien. Est-ce que les Américains s'en rendent compte? Je vous dis, Nzita bousillait l'argent des Américains pour rien, parce que tout ce qu'on lui payait ici, il faisait du cinéma ici au Congo. Aucun résultat. La preuve en est que les Chinois... Je viens encore d'apprendre ce matin que les Codeco sont entrés, je ne sais pas où, ont tué deux Chinois. Je ne sais pas si c'est en réaction de ce qui se passe avec l'île de Taïwan là-bas. Mais Nzita a perdu l'argent des Américains ici pour rien. Parce que les Américains doivent se rendre à l'évidence. En termes de coopération, ils ont quoi de tous les temps qui sont en train de passer ici? Le secrétaire d'État vient au Congo, il vous dit un message là qui est un peu pas compréhensif. Finalement, il rentre. Mais c'est le trésor public américain qui a dépensé. Il faut qu'il y ait des résultats. C'est-à-dire, si vous craignez que l'environnement va être détruit aux États-Unis, parce que nous, ici, nous commençons à exploiter le pétrole, il faudra que votre ambassadeur qui vient ici, ou le secrétaire d'État, ait des positions qui sont claires. Qu'il a choisi le Congo, et en contrepartie, le Congo peut conserver son environnement. Mais quand le secrétaire d'État vient ici avec un message qui est contrasté, et je vous donne, je termine par là en une minute, vous avez remarqué l'attitude de l'Union sacrée 24 heures avant l'arrivée d'Anthony Blinken ici. Ils ont fait une déclaration de souveraineté. Vous voyez déjà la cacophonie dans laquelle nous allons. Et vous attendez qu'un tel gouvernement, vous dites les élections l'année prochaine, vous attendez qu'un tel gouvernement va vous faire des cadeaux vraiment en se laissant faire et que vous puissiez mettre la personne que vous êtes en train de penser faire là. Ils ne le feront pas. La et réponse comme on sait est toujours, non. Comme on sait toujours... L'attitude de la communauté internationale avec son hypocrisie, à partir du jour où quelqu'un s'est dit déjà « je suis président de la République », ils disent aux opposants « vous savez, il est déjà président de la République, il n'a que 5 ans, laissez, c'est un processus, beaucoup mais ça, on a des élections, quand le processus va prendre fin, un autre viendra et nous sommes en train de tourner autour du pot ». Je pense que si l'ambassade des États-Unis m'a suivi, s'il y a possibilité de rapporter cela à Joe Biden, le secrétaire d'État n'a rien foutu. L'ancien ambassadeur qui était ici, Nzita, qui ne faisait que danser tous les jours, n'a rien foutu. Et les États-Unis, qui n'espèrent pas avoir quelque chose ici, parce que leur politique par rapport à la RDC ne payera jamais. Et ça paierait peut-être pour le Rwandais, mais ici... Que les États-Unis arrêtent de gaspiller son argent pour rien. On va dire notre compassion aux familles... au Mombo, au Mana et Malumalu, qui nous remercient d'ailleurs pour l'assistance lors de la mort de leur mère, belle-mère, femme, tante, Marie-Thérèse Tebalia, il y a 40 jours. Dembo Mombo et vous informe que la célébration du 40e jour se tiendra ce samedi, ça sera le 13 août. Où demain. C'est 08 et non demain. 07 au Mombo, un problème Boaz. Dans la parcelle familiale sur avenue Fumoussaka, numéro 12/5,
Rigini, quartier Rigini, commune de Lemba, référence, temple Barouti, côté Abatou, Oya Shekina. Alors, votre présence nous fera du bien. C'est déjà votre pour demain. Sera là. C'est, voilà. C'est demain. Demain, le 40e jour. C'est la fin. C'est 15? La fin, mais permettez-moi quand même en 30, en 30, 30 secondes. Ça avait fini, oui, ok. Je croyais aussi. Secondes. Oui, ah, c'est juste pour rebondir sur les propos de Blinken au Rwanda, qui accuse les Congolais de soutenir le FDLR. Déjà, le FDLR nous a été imposé, bon, en fait, l'opération turquoise nous a été imposée par les Occidentaux. Entre autres, les Rwandais, disons les Américains. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut rien attendre du tout des États-Unis. Ils ont montré clairement leur position. Parce que dire que les Congolais appuient ou soutiennent le FDLR, il a pris les propos du Rwanda. Voilà. Et on sait aujourd'hui quelle est la position des États-Unis. Donc jusqu'aujourd'hui, les États-Unis soutiennent le Rwanda, et c'est clair et net. Donc, si nous, on ne se prend pas en charge, c'est leur... si on ne se prend pas à charge, et on va continuer comme ça à pleurnicher, et à chaque fois, ce sera des petits hommes comme ça qui vont nous maltraiter. Qui vont continuer à se plaindre, comme vous l'avez fait. Hé, hey, Prince m'a fait mal. Hein. Oh, on était en train de se plaindre. Voilà, on est attaqué. Moubali Pazara Bongoti. Bozami Bali. Bibundeli pété. Voilà. 55 à 1 milliard. 55 avions à 1 milliard. Si on c'est possible. Si on réduisait un peu ce qu'on a. Avec dans les tout ce que là, vous gaspillez, vous dépensez table. Dans le bruit. Si vraiment vous les mettez ensemble. Attention, on est vendredi, c'est le moment M pour ça. Pour les bruits. Hein. Ouais, ne demande pas. De toutes les façons, on ne va pas vous appeler. On sait là où vous serez. On ne va pas vous déranger. Mais pensez au peuple congolais. Pensez d'abord au Congo. N'est-ce pas? C'est notre cadeau du ciel. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Bino, pas à nous, hein, mais à Dieu. On vous dit merci pour votre participation, madame, messieurs, surtout pour la prise de conscience. C'est ça le plus important parce que visiblement, il faut une redéfinition de notre politique extérieure, surtout. On n'en parle même pas. Pourtant, en tant que pays, il le faut. Nous devons définir notre politique extérieure et aller vers pour faire avec. Comme ça, on ne se détournera pas de notre chemin. Ça sera clair. Voici le Congo, la grande République démocratique du Congo, se comporte comme ceci à cause de... Et voilà, parce que c'est question d'intérêt. Notre intérêt, c'est d'abord notre souveraineté, notre bien-être. Qui veut marcher sur ce chemin-là avec nous? Eh bien, on y va. Ben, sinon... On a quand même aussi droit à refaire nos calculs. Excellent week-end à vous. À lundi. À lundi. Ben, au revoir.